Hey, coucou les amis, c'est Monsieur Zombificateur, bienvenue pour ce 11e épisode sur The Walking Dead Saint Sinner. Je suis heureux de vous retrouver pour cette suite d'aventure. Donc allez, c'est parti, sans plus attendre, nous allons commencer notre petite aventure. Enfin, continuer notre petite aventure du moins. Alors la dernière fois, on avait fait la digue cède. Quand la digue cède, alors là on en est à la partie 2. Donc ça c'est pour notre pote qu'on s'est fait à la radio, qui est bloqué dans le bunker toujours. Parce que le bunker, rappelez-vous, précédemment, il nous avait expliqué qu'il était inondé d'eau. Donc allez, c'est parti, on va passer la nuit, jour 14. Donc mine de rien, on est déjà au 11e épisode. Par contre, ça me dit pas où c'est qu'il faut que j'aille. Notre jeu de pièces de la pompe, c'est un pas de plus vers la réserve. Espérons que cette conserverie dont a parlé Casey n'opposera pas de résistance. La conserverie. Tac, la conserverie. Ça serait où d'après vous? Au rempart peut-être? Franchement, là je suis un petit peu paumé, pour ne rien vous cacher. Ah oui, j'ai plus de santé. Il faudrait que je puisse faire quelque chose là pour ma santé. On a un petit chat ici. Oh, c'est mignon. Ça serait trop bien d'avoir un chat en vrai. Via Carola, non. Ou alors à Bywater. On va essayer Bywater en premier. Alors, Bywater. Voilà. Alors, ça se trouve, je vais pas là du tout où il faut. Parce qu'il y a la quête principale aussi. Disons que là, pour le bunker, ça fait partie peut-être des quêtes secondaires. Je ne sais pas. Alors, je sais pas si on est déjà venu ici la dernière fois. Peut-être. Donc, il va falloir faire très très attention. Alors, si je prends mon plan. Nous, on est là. Faudrait qu'on aille peut-être ici. Je sais pas. Oh putain, on a un zombie ici. On va essayer d'éviter d'attirer l'attention. Ok. Voilà, lui c'est fait. Parfait. Ok. Faudrait que je trouve de... Putain, j'ai oublié de fabriquer un couteau. J'aurais dû faire un sur un. Bon, mes chers amis, rappelez-vous, je crois qu'on y était ici. Il y avait plein de zombies dessous là. On va... Ah oui, c'est là où il y a le garage. C'est là où il y avait les mécanos. Je crois que c'est là, c'est bon, on est au bon endroit. Ok. Ah, un autre tournevis. Ça, c'est parfait. Je crois que c'est plein de zombies dedans. Va falloir faire très très attention. On va essayer de grimper par là. Je peux pas grimper par là? Par là, peut-être. Je vois que dalle. Oh, c'est un truc de fou. Bon, écoutez, hein, quand il faut y aller, il faut y aller. Ouais, il y a un zombie là. Ok, il arrive. Oh putain, oh l'enfoiré. Ah, oh, je me suis blessé sans faire exprès. Oh putain, c'est chaud. Ouh, je t'ai pété toi. Ah, toi t'es morte. Il y a un étage, faut qu'on aille vérifier. Faut que je pointe la lampe devant moi pour y voir plus clair. Ah, il y a un truc ici. Et ça. Voilà. Oh. Alors je prends ça. Est-ce qu'il faut le tenir à deux mains? Oui, je pense que oui. On peut ouvrir la porte ici? Non, on peut pas ouvrir. Ah si. Oh, oh putain, oh putain. Oh putain. Oh putain, cours, cours. Putain, je vais crever. Ouh. J'ai eu chaud. Culé. Oh putain, j'ai eu chaud. Ok. Oh, c'est la grosse merde. Il y a sûrement un truc ici qui avait plein de zombies, non? Ok, là, il y a rien. Là, il y a rien. Ils ont pété la porte, les enfoirés. Ok, ok. Je pense qu'on a complété l'objectif. On a un zombie ici. Attends, on va essayer de le défoncer. On peut pas le taper comme ça. On va faire ça, d'accord. Dommage qu'on peut pas lui couper les membres comme dans Arizona Sunshine. Oui, parce que vous ne le savez pas, peut-être que je vais publier cette vidéo avant ou Arizona Sunshine 2, mais je suis en train de tourner une série là-dessus. Et c'est vrai que c'est pas du tout pareil quoi. Voilà, je pense qu'on a réussi à accomplir notre quête et ça c'est cool. Vas-y, viens Trevor. Ah ouais, ça tue. Tiens, voilà. Découpage de zombies mon gars, vu qu'elle est presque cassée. Voilà, découpage. Allez. On se casse. Alors, il faut qu'on retourne au havre de repos. Voilà, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va assembler la pompe et le truc ici. Voilà. Voilà. Casey, come in. Voilà. Hello. Yes, I'm here. Manual open to the appropriate page. You ready? Ok, je suis prêt. Let's do this. Great. Let's start with the serial number again. Then I can calculate the flow requirement settings, just like the first time through this. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? 562 793
6-42. Okay, let me look at these charts a second. So, here we go. Got it. Set valve A to 26. Valve A set to 26. C'est bon, c'est bon. Number's green. Okay, good. Valve B with A at 26 should be set at 39. Valve B to 39. Valve B to 39. Voilà, c'est set. Bon. J'ai bien fait de faire en avance. A and B. Perfect. Okay, last valve. One second. There we go. Valve C should be set to 67. Valve C set. All numbers green. Now the button, right? Yeah. Press the round button and we'll be calibrated. When this is all over, we should start a plumbing business, huh? the bunker buds. Sounds like a plan. But the name needs work. Tourist and the Lip Flapper Inc. That's catchy. Ha, frickin' ha, tourist. Anyways, this regulator needs to be installed in another pump near St. Vincent's. Same routine with the beacon light. It'll be on, so be ready for walkers skulking about. Now once it's installed and you're back at the radio, let's touch base. Okay. Good luck. Gonna spend the rest of my day figuring out how to prevent the floodwater from shorting out my radio. I'll talk to you soon. Ok mes chers amis, l'église Saint-Vincent, il faudra qu'on y retourne. Mais là, j'ai vu un truc qui m'intéresse au niveau de la quête principale, la tour et le tombeau partie 3, il faut examiner le cercueil. Le cercueil c'est de l'autre côté, ça doit être par là-bas. Ok, le cercueil, il est ici, normalement. Ok. Hey, tourist. Something you need to understand. From perspective. The tower executed my husband. Cold blood. Take the walk, they call it. Okay. The top march right over the edge. 45 stories. The whole rotten collective gathered to witness the plunge. Even people we considered dear friends. Carmen, Micah, Todd and Silva. They stood there, watched, and I said nothing. Geary was no cannibal. Georgia just wasn't gone. It was only a matter of time before I was next. Then Umbra. If you question anything Georgia does, she will manufacture whatever she can to turn the tower against you. She's got everyone afraid. So I got my hands on something they desperately need. A reserve key. And we got out of there. I searched high and low for the door, but it became obvious real quick. Better chance to find a lair of the Rougarous in the godforsaken reserve. I'm through with the search. Let everyone else kill each other over it. The key is just insurance for me at this point. Bargaining chip. In case Umbra ever gets captured. Not interested in brokering any other deals for it. That's as direct as I can be. As far as the next cache is concerned, keep your eyes peeled for marked up maps. Showing pockets when the walker population isn't so dense. Might be the only safe spaces in New Orleans. That's all I'm after right now. Rest of the cache is yours. Meds, ammo, food. Maybe even a few surprises. Definitely enough to keep a pro scavenger happy. May. Ok, alors elle est en train de m'expliquer que là il faut que j'aille à la tour et pour récupérer des informations, se rendre dans la vieille ville. Donc moi j'ai envie de poser le régulateur de la pompe maintenant, installer la pièce de la pompe, histoire qu'on avance le truc du bunker, parce que je pense qu'on a besoin vraiment d'équipement. Je peux passer un niveau ici? Vas-y, tant qu'à faire, hein. C'est quoi ça? Réduction du coût d'endurance des combats en mêlée de 25%, cool, ça c'est bien ça. Voilà, un petit couteau. Je dis pas non. Allez, on y va. On va aller faire un petit tour à la petite église. Je viens de lui péter la rondelle, mon gars. Hop là, ça fait plaisir. Alors, la pièce de la pompe, si je regarde par là, ça serait plutôt vers là, sur la gauche. Donc si je passe par là, parce qu'à droite, on l'a déjà installé la dernière fois. J'entends des gens. Ils sont gentils ou pas? Oh putain, ils sont pas gentils. Ils sont pas gentils du tout, mon gars. Oh putain, la salope. Tiens, bouffe ça. Attends, ils sont partis par là-bas. Je vais en profiter. Ok, c'est ici.
Voilà, c'est bon. Ok, normalement c'est bon. Attendre que Casey vous recontacte, ok. Ça c'est validé. Attends, on va aller voir ce qu'il y a dans la maison. Ok, on va aller vite fait à l'étage. Ok. Ok, y'a rien à fouiller. Ok, y'a rien du tout. Bon, on se casse d'ici. Oula! Oh, je l'ai tué avec la casserole, mon gars. Bon, ben du coup, voilà les amis. Moi, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Pensez à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines notifs lorsque je posterai des nouveaux trucs sur la chaîne. Sur ce, je vous dis salut à tous et à très bientôt pour un 12e épisode sur The Walking Assassiner ou alors sur une prochaine vidéo. Voilà. Donc je vous dis salut à tous, portez-vous bien, peace!